Bonjour à tous. C'était un engagement, celui de donner la possibilité à certaines communes de pouvoir voter la surtaxe sur les résidences secondaires. Nous l'avions inscrite et votée dans la loi de finances 2023. Eh bien, ça y est, le décret a été publié. Concrètement, c'est quoi? Eh bien, nous avons étendu à de nouvelles communes la possibilité de voter cette surtaxe. Cela s'applique principalement à de nouvelles communes littorales où le taux de résidences secondaires est particulièrement élevé. Les communes ont donc délibéré pour savoir si, oui ou non, elles allaient appliquer cette taxe. Si oui, à quel taux? Cette nouvelle manne financière devra permettre aux collectivités qui l'ont décidé de réduire le problème aigu du logement qui se pose évidemment sur nos territoires. Le décret est publié, les conseils municipaux, eux, ont délibéré. Je vous retrouve ici, à Saint-Jean-de-Monts, commune littorale particulièrement concernée par cette question du logement, pour savoir ce que Véronique Lenay, Madame le maire, et son équipe municipale ont décidé. Cette possibilité d'augmenter la taxe sur les résidences secondaires est une opportunité pour nous, villes du littoral. Nous sommes donc des villes tendues où le logement devient un enjeu important pour nos territoires puisque nous manquons de locations à l'année, d'endroits où pouvoir loger nos familles, et donc cette possibilité peut être un atout pour le logement. Nous avons évidemment débattu au conseil municipal avec tous les élus de savoir de combien nous allions l'augmenter, si nous allions l'augmenter d'ailleurs, hein, puisqu'on aurait pu également ne pas l'augmenter, et nous avons pris la décision de l'augmenter de 30%. On avait la possibilité de le faire entre 5 et 60%. On a choisi 30 à peu près, voilà, au milieu, dans le sens où c'est impactant, mais c'est pas trop impactant non plus pour les résidences secondaires, car notre but n'est pas d'aller contre les résidences secondaires. On est très heureux d'avoir beaucoup de résidences secondaires sur notre territoire. C'est eux qui ont fait la richesse de cette ville, c'est eux qui nous ont permis de passer d'une station balnéaire à une ville balnéaire, donc il n'était pas question d'aller contre eux, mais au contraire, d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse vivre le plus harmonieusement possible. Et donc cette taxe va nous permettre de la flécher pour travailler sur le logement dans notre commune. Le logement pour tous, le logement social, nous avons déjà plusieurs programmes de logements sociaux, ça va nous permettre de les poursuivre. Et puis on va travailler sur le logement des saisonniers, on va travailler sur le logement pour les jeunes qui arrivent sur notre territoire, voire même des cadres qui arrivent sur notre territoire et qui ont du mal à se loger. S'ils veulent louer à l'année, on n'arrive pas à trouver de logements qui ne soient pas des passoires thermiques et qui soient à des prix qui soient attractifs.